Salutations spéciales pour mes amis, c'est un plaisir pour que nous capables ensemble dans l'heure ça pour nous capables jeter un coup d'œil sur guide d'études que nous avons étudié pendant tout trimestre là. C'est un guide d'études qui était pour des thèmes Genèse, un guide d'études qui était ben nos possibilités pour nous te visionner jour après jour, chapitre après chapitre dans le livre ça pour nous être capables analyser et bien pour nous ouais, qui côté nous-mêmes nous sortis et bien qui côté eh bien, nous y aujourd'hui, et qui côté tout bon Dieu lui-même, lui voulait mener nous. C'était un bel guide d'études, eh bien, pour un bel trimestre. Eh bien, et nous allons rentrer dans la révision générale du guide d'études. Mais bien avant même que nous commencions, nous prions bon Dieu. Papa, nous qui sommes dans le ciel, là, merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour ça, pour continuer à faire dans la vie. Nous. Merci parce que vous permettez de passer un trimestre, côté que chaque jour, nous sommes dans le pire pour nous être capables d'étudier la parole. Maintenant, nous revenons à l'heure pour nous capables de réviser ensemble, non seulement étudier maintenant, mais jeter un coup d'œil également sur tout ça, nous avons une possibilité, ouais, pendant et bien, tout trimestre ça. Aidez-nous, oh Dieu, pour nous comprendre et mettre en application. Béni, dirige, protège, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Semaine 1, leçon 1, c'était leçon 13, littéraire. Israël en Égypte, verset à mémoriser. Genèse 47, verset 27. Israël habita dans le pays d'Égypte. Dans le pays de Goshen, ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen, ils eurent des possessions et ils furent féconds et multiplièrent. C'était verset dont tu as gagné pour nous mémoriser dans le cadre d'études semaine. Bon, on nous jette un coup d'œil bien rapide sur ça, nous avons une possibilité pour nous te voir et bien tout au cours de trimestre. Avant tout, trimestre, nous avons étudié ensemble Genèse. C'était livre Genèse là. Qui c'est le premier livre dans la Bible, qu'il y a une possibilité pour nous de ouais ensemble chaque jour, visionner chapitre après chapitre, pour nous tirer des leçons pour vie spirituelle, nous, aujourd'hui. C'était un trimestre qui était commencé depuis samedi qui était 26 mars, là, et il prend fin pour journée vendredi qui 24 juin. Nous avons passé 3 mois côté chaque jour, nous avons une connexion avec la Bible, nous avons étudié ensemble le livre Genèse. Là. Mais espérer que ou même ou te bien comprendre tout ça qui t'a dégagé tout au cours de trimestre là. Eh bien, livre Genèse, livre les 10 commencements. C'est un livre qui montre nous côté toute bagaille sorti. À travers livre Genèse là, nous est origine nous est qui est-ce qui crée toute bagaille parce que je dis à l'homme pas d'accord, c'est Dieu qui crée mais livre Genèse là montre nous c'est bon Dieu qui fait toute bagaille. Et nous est plein salut en tout que bon Dieu les révéler là avec l'humanité à travers livre Genèse. Nous te ouais en pile bagaille qui est assez intéressant pour notre vie spirituelle, pour nous capables de grandir et bien spirituellement. Première leçon, nous avons une possibilité pour nous dire, ouais, premier bagage, nous avons pour nous analyser, c'est la création de Dieu. Premier texte dans la Bible dit, même au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, premier texte dans la Bible, il parle de la création, il montre nous origine, nous, qui côté vraiment, moi-même ensemble avec vous, nous sortis. Je dis, ah, nous avons un peu de monde qui n'est pas d'accord. Dieu créé. Si ça veut pas d'accord, mais nous-mêmes qui sommes étudiants de la Bible, eh bien, nous fait foi dans la parole. Ça. Nous ne pas là les bon Dieu qui a créé. Mais nous croyons que c'est bon Dieu qui a créé parce que monde ça, il n'y a pas qu'à venir par hasard. J'ai tout bagaille bien organisé là. Eh bien, l'homme à côté pâle, montagne à côté pâle, rivière à côté pâle, eh bien, côté pour faire jardin, etc. Nous, tout bagaille yo bien organisé. Eh bien, nous te voyons à travers la création, lorsque bon Dieu finit fait l'homme, bon Dieu, nous bon Dieu utilise la parole pour faire tout le bagage. Mais le bon Dieu a fait l'homme, bon Dieu a utilisé mail. Non seulement bon Dieu utilise la parole, mais bon Dieu utilise mail pour être capable de faire l'homme. Le bon Dieu finit faire l'homme, bon Dieu a l'homme responsabilité. Bon Dieu a l'homme un jardin pour cultiver, c'est-à-dire pour travailler, et bien garder, c'est-à-dire prendre soin. Et nous, bon Dieu, tu as l'homme encore responsabilité pour ne pas manger. Et bien tout le bagage qui est dans le jardin parce qu'il dit, mais qui ça pour manger? Et l'homme te gagne pour manger produit qui sorti uniquement dans terre là mais te gagne un produit que bon Dieu te dit pas manger et nous te ouais bon Dieu après le fin fait tout bagaille ça yo bon Dieu fin fait l'homme bon Dieu pour instituer ça nous le sabbat n'a travail pendant 6 jours et puis 7e jour nous pour reposer mais qui ça va passer bon Dieu te dit avec Adam avec Ève gagne un arbre qui nous mit dans jardin qui pas doit manger qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal le jour où manger suivant parole bon Dieu. Eh bien, il y a pour vous. Mais il n'y a pas attendu. Parole bon Dieu. Eh bien, il y a quitté Satan. Eh bien, trompé. Et nous parlons. Adam et Ève, ils ont mangé. Eh bien,
abla. Le ou fin manje abla ki bon Dieu te défend nous te manger, et ben péché pour entrer dans le monde. Nous voilà la chute de l'homme, péché pour entrer dans le monde qu'on a une fois péché rentré. Bon Dieu pour obliger mettez et ben Adam et Ève dehors dans jardin. Parce que yo pas capable continuer manger ab de vie parce que t'ai des ab dans jardin qui était intéressant. Et ben t'ai on pas de droit manger. Et Géon, chaque fois qu'on mange, la vie t'a continué. Bon, j'étais obligé de mettre au dehors dans le jardin pour pas continuer à manger. Ab de vie pour l'homme pas vivre dans l'éternelle souffrance. Et la chute, et à cause de chute, l'homme vient péché, l'homme désobéit, bon Dieu, pour aller commencer, il y a des gens qui peuvent mourir. L'homme, ben Adam, pour aller faire des petits garçons, Caïn et Abel. Nous voyons un Abel qui a suivi, bon Dieu, un Abel qui a marché suivant la volonté de Dieu. Mais nous parlons Caïn pral raï Abel parce que Abel te fait une offrande à l'Éternel, l'Éternel t'a agréé offrande par là, mais il pas agréé par et ben Caïn parce que Caïn pas suivre principe yo règlement yo. Et qui s'est passé nous parlons yon Caïn qui pral tuer Abel. Et nous parlons et Caïn pral errant, Caïn pral obligé à vivre pour un certain temps loin famille. OK, à cause de crime ça qui a et qui Caïn lui-même dit te commettre. Et nous t'a pas loué dans même histoire Caïn ça, nous t'a pas loué yon certain des les mecs qui pral introduire ça nous la polygamie parce que monsieur pral gagne deux filles non seulement, li pral touyer moun, mais nous pral loué également monsieur ça pral gagne deux madame, li pral venir avec ça yon relé polygamie. Et ben sorti dans Adam, et ben tombé dans Caïn qui a touyer moun, nous pral tombé dans les mecs. Eh bien, péché pour augmenter de jour en jour. Et jusqu'à ce que nous parlions, bon Dieu pour nous dire, eh bien, lui attristé parce qu'il a fait l'homme. Raison simple, parce que l'homme tellement fait ça par la volonté, bon Dieu. L'homme tellement fait bêtise, bon Dieu vient gagner une douleur qui a ravagé. Texte a dit, bon Dieu regrette. Mais laissez-nous analyser le texte là, bien nous, bon Dieu attristé. Bon Dieu pas toléré vraiment ça que l'homme l'a fait. Condition l'homme à vivre. Et bon Dieu pour aller faire plein, mais puis c'est pour qu'il soit capable de détruire l'humanité. Parce que les hommes tellement fait ça par la volonté, bon Dieu vient pas qu'à garder action des hommes. Parce que il dit chaque jour penser l'homme aller uniquement vers le mal. Mais t'as un homme à cette époque qui a un comportement qui est différent. Il y a un homme qui a un comportement qui est nettement différent des mondes qui étaient dans l'époque là qui relaient Noé. Bon, avant Noé, nous avions tout Enoch, Enoch avait une conduite raisonnable également, mais nous allons tomber avec Noé. Le niveau sur Noé, la Bible va dire nous, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas parce que Noé c'est un équité bon, tout bon vraiment, non? Mais par rapport avec comportement, l'homme te gagné à cette époque, Noé c'est un équité intègre. Par rapport avec comportement, Noé c'est un équité parfait aux yeux de Dieu. Eh bien, Noé pour aller une grâce. Si Noé j'ai une grâce, ça veut dire Noé c'est un pécheur. Eh bien, Noé pour aller une grâce. On a là, bon Dieu dit Noé, eh bien, m'pral détruire la terre. Puisque bon Dieu pas jamais fait rien sans pas révéler avec serviteur, eh bien, bon Dieu pour aller révéler ensemble avec Noé. Bon Dieu dit Noé, mais plein qui me gagne. Et plein bon Dieu, eh bien, c'est fait en lâche et puis pour encourager mon Dieu rentrer là-dedans. Mais avant tout, Noé te connait prêcher. Et ça fait chronologiste biblique fait nous comprendre Noé était fait environ et 120 années à prêcher. OK, l'a construit l'arche là mais l'a pas encouragé mon auto mais pour accepter bon Dieu pour détourner des mauvaises conduites yo. Mais mon pas décidé. Noé a construit l'arche là, il a aidé le construire, il a fait tout bagaille mais il pas décidé entrer dans l'arche là. Nous pas loin pour il y a un déluge qui va arriver et lorsque déluge va arriver, eh bien la pluie va le faire. Eh bien, environ, la pluie va tomber 40 jours, 40 nuits. La pluie a glorité sous terre parce que l'aide de l'usage va arriver. Sous l'eau pété, la pluie a tombé en pile bagaille. Et qui ça va arriver? Eh bien, puisque nous étions entrés dans l'achat suivant l'ordre que l'Éternel débalait, parce que l'Éternel désire entrer dans l'achat, mais il a rentré, il a rentré avec eh bien, toute bête qui existait, il a rentré avec bête qui pue, il a rentré avec 7 paires, c'est-à-dire 7 mâles, 7 femelles, mais bête qui impure, il a rentré avec yon paire. Yon mâle, yon femelle. D'une façon pour le capable de conserver race bête ça. Et nous allons voir, eh bien, déluge pour aller venir vraiment. Et déluge là pour aller touiller tout le monde qui va décider volontairement rentrer dans l'âge. Et nous allons la pluie tomber,
l'eau t'étend jusqu'à environ 370 jours environ, et même plus que ça, pour que l'eau soit capable de sécher avant même que Noé avec famille devienne retourner vivre et bien sous terre, pour te quitter l'âge là pour te venir sur la terre. Mais qu'on a là qui s'est passé? Bon Dieu détruit la terre à cause de méchanceté les hommes. Et l'homme, malgré ça, lorsque Noé lui-même, les fins sorti dans l'âge là, nous va louer Noé pral, et bien faire une action de grâce à l'Éternel. Noé pral adorer l'Éternel, et puis l'Éternel pral dit, eh bien, chez l'homme jeune, eh bien, cœur pervers, mais quand vous commencez grand, vous comprenez bon Dieu, vous suspendez faire ça qui mal. Eh bien, bon Dieu, à cause du sacrifice qui nous a été fait, bon Dieu prend une résolution pour ne pas jamais détruire la terre encore pas de l'eau. Bon Dieu va faire une alliance avec l'homme. Non seulement avec l'homme, mais avec tout habitant, ni animaux, ni l'homme. Bon Dieu va prendre pour faire une alliance qu'il ne va jamais détruire la terre encore pas de l'eau. Mais alliance qui s'est là-dedans. C'est un acte qui apparaît dans le ciel là. Chaque fois la pluie paraît, tu as paraît pour que l'eau t'a envahi le monde pour t'a détruire. Et bien, qui s'est passé? C'est acte là qui apparaît dans le ciel là. Et bien, les autres petits mondes nous disent, bon, si j'ai une bonne acte dans le ciel là, la prêche, je te bats en pile bagaille de l'acte dans le ciel là. Mais nous finis par comprendre. Acte dans le ciel là, c'est une alliance. Chaque fois nous étions paraît, la pluie pour aller tomber, et bien, nous avons commencé à apparaître, bon Dieu rassurez nous qu'il ne peut pas détruire la terre encore pas de l'eau. Mais il y a quand même des gens qui ne sont pas d'accord avec cause des déluges là, quand même des gens qui disent c'est pas vrai. Mais nous-mêmes qui sommes étudiants de la Bible, par la foi, nous croyons que c'est réalité. Parce que bon Dieu, pas jamais menti. Et nous, bon Dieu détruit la terre par de l'eau. Et qui ça peut arriver qu'on est là? Lorsque nous sommes sortis dans la chambre avec toute la famille, nous commençons à faire petit, qui ça qui va le passer? Kounya la, au lieu pour retourner vivre dans le bon Dieu, les hommes continuent à pratiquer le mal. Kounya a dit bon, je vais bâtir une ville. Dans la ville, ça va faire une construction dans une qui est pour tâcher dans le ciel là. Si vous faites agonder les gens encore, vous même pour ne pas mourir. Plan bon Dieu, c'est de disperser l'homme à travers le monde, mais vous même vous devez être en seul côté. Et nous parlons, puisque vous entendez et pas rien qui est capable d'empêcher vous faire, parce que vous parlez même langue, mais qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu confond langage. Ah, chaque monde qui n'a pas l'honneur, monde pas qu'à comprendre monde, eh bien, bon Dieu pour le craser projet que l'homme dégaine. Parce que l'homme pas voulu faire volonté bon Dieu, l'homme pas voulu obéir ensemble avec bon Dieu, mais nous, il était préféré révolter contre bon Dieu. Ou les prophètes ça vont demander, mais il préféré construire une ville, si tu fais bon Dieu, tu as un plan encore détruit la terre, pas de l'eau pour barbarie, mais il n'y a pas de gens qui te manquent comprendre, c'est que bon Dieu te a fait alliance avec Noé, avec tout habitant. Ni bête, ni monde qui sous terre, qu'il ne peut pas détruire la terre encore pas de l'eau. C'est pour montrer, lorsque l'homme ne peut pas faire la volonté de Dieu, ou venir dans un moment où égaré, ça pour faire, ce n'est pas lui au fait. Ok, ce n'est pas lui au fait. Eh bien, nous voyons, bon Dieu va obliger de disperser l'homme sous la terre. Ou dans là, chaque monde va le regrouper en côté, chaque monde qui parle les mêmes langues, va le regrouper en côté, et dès lors, eh bien, projet qui a été gagné, eh bien, c'est un projet qui crase. Il va construire ville ça qui est Babylone qui signifie sur le plan spirituel confusion. Et nous allons tomber avec un grand homme. Nous allons tomber avec un grand homme dans la Bible qui est Abraham. Et bien, nous avons fait 3 semaines pour étudier la vie grand homme ça qui c'est Abraham. Nous allons voir Abraham qui sorti dans le pays et bien lui qui c'est où. Dans le calde, monsieur sorti dans le pays, et bien c'est bon Dieu pour le demander pour le quitter. Bon Dieu pour le dire avec Abraham, quitte Kotoya, bral fort vin devenu une grande nation. Bon, Abraham levé sans le pas demander qui côté pour aller. Bon Dieu parler ensemble avec lui. Abraham levé, l'aller, et bien dans le pays Canaan. Bon Dieu voyait le Canaan. Mais lorsque Abraham arrive Canaan, bon, nous voilà, Abraham agit avec la foi. Bon Dieu dit levé, l'aller. Mais nous voilà Abraham qui va faire une action qui manquait la foi. Parce que bon Dieu dit Abraham, levé. Abraham levé vraiment l'aller. Mais Abraham pral quitter les Canaan pour aller en Égypte sans que bon Dieu pas mandé pour l'aller. Parce que tu as un grand goût, et bien dans le pays Canaan, et bien il pral aller en Égypte. Il levé l'aller en Égypte sans qu'elle pas dit, il pas consulter bon Dieu. Et qui ça va passer? Nous parler Abraham. Et Abraham lorsque il rivé, il était gamin madame qui c'est Sarai, il va dire Sarai, le n'a pas en Égypte, et bien dit que c'est sème, et bien ou pas madame. Et pour qui ça? C'est nous va le même Abraham ça là, vient manquer foi.
un homme de foi auparavant, mais nous parlons, monsieur a vraiment manqué de foi. Et lorsqu'il est venu en Égypte, nous connaissons qui ça qui est passé. Eh bien, Pharaon, après madame, il dormit ensemble avec lui. Et bon Dieu est venu révéler ensemble avec. Eh bien, et est venu révéler ensemble avec Pharaon, eh bien, pour que soit capable de laisser eh bien, madame eh bien, Abraham aller. Et nous avons parlé, Abraham était de retourner à Canaan. Abraham était de retourner à Canaan. Eh bien, lorsque il a retourné à Canaan, il était venu ensemble avec les neveux qui c'est l'eau. Eh bien, il était dit, l'eau, c'est pour l'eau choisie. Parce que tu as un problème entre Abraham avec l'eau. C'est que mouton Abraham, bête Abraham, il en pile, par l'eau en pile, tu as un gros problème entre serviteurs, monsieur. Mais ce n'est pas seulement ça qui te gagne. C'est que tu as un gros problème. Eh bien, de te voir, la caille l'eau comme étant un qui cupide, c'est-à-dire qui remet l'argent. Et de te voir, la caille Abraham, un qui humile et qui humble et qui gagne sa nouvelle générosité. La caille. Et qui ça qui passe? Lorsque monsieur vient de ce problème, ça, eh bien, Abraham, en tant que plus grand, il était qu'à choisir parce qu'il y a deux espaces. Il y a Canaan et puis il y a Sodome et Gomorrhe. L'espace aussi qui était très fertile en parlant de Sodome et Gomorrhe. Mais nous, Abraham, tu as choisi bah, l'eau, choisi avant. Il dit l'eau, choisi. Pour faire à gauche, il va à droite. Pour faire à droite, il va à gauche. Eh bien, nous allons l'eau, regardez, il voit comment Sodome eh bien, est vraiment verte. Eh bien, il était décidé. Il était décidé eh bien, à habiter eh bien, dans le territoire. Ça. Et. Abraham est allé à Canaan. Et Canaan, c'était terre qui est bon Dieu pour mettre. Même là-bas, ensemble avec Abraham. Et ça va le lorsque il est arrivé à Canaan, il est venu rencontrer des difficultés. Donc, Abraham est obligé à la bataille pour être capable de libérer l'eau. Et Abraham est demandé ensemble avec bon Dieu, eh bien, s'il permet de remporter la victoire, et bien, s'il permet que le parcours a fait réaliser la balle de dîme dans toute bagaille. Et nous avons le eh bien, principe d'Imnan, c'est un principe qui existait bien avant. Mais, quand il y a un problème qui passe, dans cause d'Abraham, bon Dieu dit à Abraham, il a fait une grande danse. Bon, l'âge a monté, Abraham a avancé en âge, Abraham n'a pas jamais mouru côté petit à petit. Bon, quand il y a madame Abraham commence à perdre la foi. Il dit à Abraham, mon cher, il n'y a pas qu'à faire comme ça. On n'a pas avancé dans l'âge, bon Dieu dit la fête, nos promesses vont beaucoup réaliser. Mais Sarah, qui est madame Abraham, il a gagné une servante égyptienne qui est Aga. Il dit ensemble avec eh bien, Abraham pour la prendre à Aga pour faire petit. Bon, c'est une pratique qui était vraiment dominant dans l'époque là. Abraham, eh bien, allait vraiment la faire petit avec Aga. Même petit ça encore, pour aller mettre problème dans la caille. Nous allons Aga pour aller obliger de quitter la caille. Eh bien, Abraham, à cause de problème, la vient de nommer ça. Et nous allons eh bien, bon Dieu t'a pral fait promesse ensemble avec. Et t'a parlé, bon Dieu t'a pral fait promesse ensemble avec Abraham. Pour le faire, Abraham connaît, eh bien, l'a réalisé promesse que lui-même lui t'a fait. C'est-à-dire, l'a fait venir devenir une grande nation. Mais nous t'a parlé l'autre problème qui t'a posé. Nous t'a parlé l'autre problème qui t'a posé. Eh bien, qui ça qui t'a venu gagner? L'autre a vivre Sodome. Mais habitant Sodome, tellement t'a fait bagarre qui va bon Dieu, bon Dieu. Bon Dieu te prend décision pour être capable de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de méchanceté. Ça, c'est une partie qui est intéressante dans le Genèse là. Mais nous, bon Dieu te prend décision pour qu'il soit capable de détruire Sodome et Gomorrhe. Nous, Abraham te joue le rôle intercesseur. Abraham, eh bien, a défendu pour que bon Dieu pas touye eh bien, et tout le monde qui t'a vivre dans la zone ça. Eh bien, nous, Abraham intercédé, Abraham intercédé, Abraham intercédé. Eh bien, malheureusement, eh bien, nous, intercession Abraham n'a pas servi avec un hein, parce que bon Dieu pas même quand il y a 10 moun qui a fait volonté là et eh bien dans territoire ça et tu parles bon Dieu t'a parlé poursuivre ensemble avec Abraham pour lui dire Abraham on pas besoin inquiéto ou a gagné un petit bon Abraham pas de quoi Abraham pas de quoi Abraham au moment quoi au moment douter mais nous quand même Abraham t'a parlé promesse bon Dieu a réalisé dans vie parce que bon Dieu t'a parlé fait Abraham fait un petit garçon. Eh bien, que tu vas aller Isaac. Nous avons le changement de nom. Bon, tu vas changer nom Abraham en Abraham. Tu vas changer nom Sarai. Eh bien, Abraham te veut dire père d'une multitude. Eh bien, et Sarai te veut dire ma princesse. Nous avons le et Sarah. Sarai, nous avons changé en Sarah. Il n'est pas seulement princesse Abraham, mais il est princesse de toute l'humanité. Et nous avons promis ça tu vas réaliser. Bon Dieu, tu vas le bail. Avec Abraham, un petit garçon qui est Isaac. Et pour mettre ça, c'est Isaac, bon Dieu te dit, l'a réalisé. L'a fait Abraham venir
yon grand nation. Et qu'on a droit les mêmes bon de ça. Pour demander à Abraham pour qu'il est capable offrir un sacrifice à Isaac. Bon, Isaac très obéissant. Et bien Abraham levé un jour l'aller pour l'offrir Isaac un sacrifice. Mais lorsque en route Abraham Isaac posait à Abraham question, il dit bon papa, moi j'ai tout bagaille pour faire l'holocauste là, mais côté agneau notre vrai bon Dieu dit et Abraham te dit bon Dieu pouvoir. Et nous lorsque Abraham est arrivé pour qu'il était capable de sacrifier petit garçon là, et bien nous bon Dieu te voué yo agneau et bien pour lui-même. Et lorsque Abraham fin fait Isaac, Isaac grandit, lorsque Abraham arrive pour dans l'âge pour mourir, on a là Abraham te un serviteur lui, yo intendant qui relait Eliezer, et bien il dit Eliezer, mon cher bral mourir, moi pas ouais, moi commencer gain problème. Pour mettre moi que pas j'aime pour une madame pour petit garçon dans la mitan cananéen mais il dit plutôt aller dans famille et bien pour aller choisir et bien yon fille pour Isaac capable faire ville et réellement nous t'avoir loué Isaac et Eliezer t'avoir fait un voyage pour aller et bien dans pays Abraham pour aller chercher yon fille pour Abraham il est allé vraiment dans la caille famille. Eh bien, la caille famille et familiaux pour la prendre une fille pour Isaac. Et nous te comment voyage ça a été réalisé. Il était jeune fille vraiment, il était porté fille à by Isaac. Qu'on a là l'histoire pour chavirer, nous pour quitter Abraham. Nous pour eh bien rester dans Isaac avec Jacob. Qu'on a là nous pour jeune Jacob et qui va tomber monde qui est Jacob lui-même. Jacob c'était petit Isaac. Isaac c'était petit Abraham. Abraham fait deux petits garçons, c'est Ismaël qui était grand qu'il fait avec Agar et lui fait Isaac qu'il fait avec Sarah. Sarah va faire deux petits garçons ça yo, mais c'est Ésaü avec Jacob. Mais nous voilà un Jacob qui a trompé monde. Jacob et monsieur c'était jumeau créé, mais Jacob c'est lui même qui sorti en deuxième, c'est-à-dire Ésaü sorti avant. Mais nous va joindre un Jacob qui va le tromper. Qui va le tromper moi. Nous va joindre Jacob et bien prend bénédiction droit de naissance là, c'est-à-dire il va prendre droit de naissance là qui était pour Isaïe et il va voler tout bénédiction spéciale que Isaac t'a bail ensemble avec Isaïe. Mais nous te ouais maman t'es accompagné là vie action ça qu'il t'a fait. Et bien nous ouais les pour te voler droit de naissance là. Donc pour te prendre bénédiction, c'est maman qui t'a encouragé pour le prendre. Et on t'a parlé, ça t'a parlé cause que Esaü lui-même, il était sorti pour le tuer. Et bien Jacob et Jacob t'est obligé aller la caille là-bas. Lorsque Jacob va arriver la caille là-bas, mais avant Jacob arriver caille là-bas, et bien Jacob t'a pas fait un parcours. OK, Jacob t'a gon parcours qu'il va faire ensemble avec bon Dieu. OK, nous et Jacob et il est allé vraiment caille là-bas. Mais après ça, nous bon Dieu t'a voulu retirer Jacob dans condition de dire parce que Jacob t'a trompé moun. Et ben dans trompé moun, nous parler Jacob tout, il pas le tromper. Et nous parler Jacob lorsque il a quitté la caille là-bas. OK? Lorsque il a quitté la caille là-bas, il était caille là-bas, il trompé parce qu'il t'a trompé moun. Nous là-bas t'a trompé. Il travaille pour et ben Rachel, yo balilia. OK, nous va loin et grand pile bagage qui va passer dans la vie Jacob parce que tout ça Jacob t'ai fait Jacob va payer tout. Ben nous va loin sortir dans Jacob, bon Dieu va changer nos Jacob, Jacob va jeune pardon et il te voler droit d'aînesse, il te prend droit d'aînesse ça, il te prend bénédiction et qui te réservé avec grand frère qui c'est Isaïe. Nous va loin ben une bon Dieu non seulement bon Dieu va pardonner pour ça le faire mais nous va loin tout Isaïe va pardonner. Mais nous va loin et bien côté et yo te violé ce monsieur yo et qui c'est nous va le côté yo te violé Dina et bien Sichem te violé et bien Dina parce que Jacob lui-même il te vienne faire plusieurs petites. OK, Jacob te vienne gagner et 11 petites garçons avec une petite fille et bien nous ouais et te connait que le Sichem qui vienne violé et bien et petite et qui vienne violé Dina. Et bien nous en commun, Simeon avec Lévi, monsieur ça a été réagi, et bien il a été touillé, tout le monde qui était habité dans l'endroit ça. Mais nous, et nous avons tombé dans l'autre phase, rappelez-nous Joseph et Jacob, il a gagné 11 petites, et nous avons gagné un adhérent qui a été Joseph,
Mais qui c'est le dernier personnage qui était dominé livre Genèse. Nous parlons de Joseph, côté eh bien, frère Lio pour Raïl. Raïl, pour plusieurs raisons. Raïl, premièrement, parce que papa était pyramide, parce que c'est le plus petit à cette époque, c'était 11e petit là, 11e petit garçon, papa était pyramide. Et deuxièmement, il était qu'on a rapporté parole lorsque messieurs font bagarre qui pas bon, il vient dire papa ça. Et troisième raison, papa te gagne un amour particulier pour lui parce qu'il te qu'on a fait belle robe qu'il va faire pour monsieur. Et nous, monsieur devine porter jalousie, il te fait plein pour tout elle. Et en plus de ça, Joseph te consomme des rêves qu'il a fait qui montrent qu'il a une plus grande que frère. Des frères jaloux de ça. Et nous, frère, te comploté pour te capturer. Mais à chaque fois, il y a un malheur qui pend sur tête Joseph. Bon Dieu, changer malheur en bonheur. Frère, il te voulait tout yel, il n'a pas tout yel. Et bien, il vient voir l'aller en Égypte. Il pensait. Vous en Égypte, t'as pas dévié plein, bon Dieu t'es gagné pour la vie, Joseph. Mais nous, malheureusement, c'est pas ça qui arrivait. Eh bien, Joseph, lorsque il arrivait en Égypte, eh bien, il va voir Joseph avec un chef qui est Potiphar. Eh bien, Potiphar, ça, c'était un nègre, eh bien, qui, ouais, tout ça, Joseph, moi, il a calé, ça marchait. Eh bien, il t'a pas, eh bien, bah, Joseph, responsable, tout bagarre la calé. Eh bien, bon bagarre qui va le passer, madame Joseph. Et madame Potiphar vient tomber d'amour Joseph. Et il besoin Joseph coucher ensemble avec lui. Joseph pas d'accord. Et bien, il fait tout ça qui dépend de lui pour Joseph te coucher avec. Joseph refusé. Et il mettait main sur Joseph un jour. Et Joseph marron. Et les maris venaient lui raconter Joseph te besoin violer. Joseph allait dans la prison. Arrivé dans la prison. Et bien, Joseph, et bien, encore pour le chef dans la prison. Pour aller gagner des serviteurs. Ils ont échanson, ils ont pantier. Des messieurs qui t'ont servi. Et messieurs, ça pour aller faire des révélations. Et il n'y a pas qu'à comprendre qui sa révélation veut dire. Il va l'expliquer avec Joseph. Et puis il va raconter et rêve avec Joseph. Joseph va faire l'explication. Et ça le dit. Et c'est comme ça arrivé. Et M. Sayo, tu as un ado qui est retourné dans le poste. Joseph te dit, lorsque vous retournez dans le poste, pas oublier. Et nous, M. Sayo, oublier Joseph. Et Kounala, là, ce n'est pas serviteur qui a fait rêve, mais c'est moi qui va le faire rêve. Ou Pharaon, qui a dirigé l'Égypte à cette époque, M. Sayo va le faire un rêve. Il dirige tout le monde. Il raconte le rêve là pour l'explication, il n'est pas capable. C'est ça, et chanson d'Abraham, songer avec Joseph qui était dans la prison. Et eh bien, qui était raconté, qui était expliqué le rêve, et Jean lui dit là, c'est pour ça, elle a passé. Et bien, il fait appel avec Joseph. Et Joseph expliquait, et eh bien, roi, et eh bien, vision qu'il a fait, et eh bien, c'était cette année d'abondance, et cette année de sécheresse qui t'a arrivé, il faut qu'il y ait un monde qui soit capable de gérer. Manger. Et en réalité, nous, ça, Joseph te dit, c'est comme ça passé. Et, ou à part tout l'autre, monde qui était plus sage, qui était plus intelligent, eh bien, pendant cette année d'abord de ce qui était pour gérer manger, eh bien, c'était Joseph qui était placé. Et, qu'on a qui ça pour le passé, grand goût frappé Canaan, grand goût frappé l'Égypte, eh bien, nous, bah, l'oué, eh bien, frère Joseph, est obligé, eh bien, rentrer en Égypte pour aller acheter manger. Mais lorsque vous arrivez en Égypte, Joseph, lui-même, il te connaissait lui-même, mais il pas jamais connaissait Joseph. Joseph fait un pile tentative pour être capable eh bien et ouais, est-ce que frère lui même changé? Est-ce que monsieur repenti des conditions? Est-ce que monsieur yo pas jaloux? Et après toute tentative que Joseph fin fait ensemble avec monsieur, lui montrer monsieur, c'était lui-même frère yo qui était venu et monsieur pas capable comprendre, mais le Joseph t'a pas dit monsieur, eh bien nous c'est moi c'est Joseph frère nous qui nous était venu dans pays l'Égypte là. C'est ça monsieur t'a pas comprendre en réalité. C'était Joseph. Et qui ça qui va le passer? Nous voilà, Joseph était obligé eh bien faire papa Alvin installer dans l'Égypte parce que grand bois d'abord dire 5 ans encore parce que c'était sous deuxième année à monsieur devine acheter manger et manger à grand bois d'abord dire pendant 5 ans encore et nous mon était obligé venir en Égypte yo installer aussi en Égypte eh bien et Jacob pral mouri. Mais Jacob te fait pour te faire petit lieu juré pour pas enterrer lui. Et bien, en Égypte, pour retourner ensemble avec lui. Et dans Canaan, Joseph encore même bagarre là. Et bien, c'était promesse que bon Dieu te fait ensemble avec lui. Que il a retourné dans terre. Et bien, qu'il te promet lui. Et bien, qui c'est Canaan. Et bien, nous, à travers les chants qui étaient dans ce maintenant, nous voyons comment Jacob lui-même était allé rencontrer Joseph en Égypte. Nous voyons comment il était fini par installer en Égypte. Maintenant, comment Jacob bénit petit Lio, comment bénit petit Joseph Lio, et nous, qui espérance qui est réservée pour nous, bon Dieu promet la banou, la vie éternelle. C'est-à-dire, nous, retour eh bien, en Égypte, quitter l'Égypte pour aller à Canaan, nous te jouons
trois grands espoirs dans le cadre de la dernière étude. C'est l'espérance que le peuple a retourné à Canaan. C'est l'espérance que bon Dieu a changé mal en nous. Parce que nous, tout ça, monsieur, vous avez fait Joseph. Eh bien, vous avez pensé que c'est mal de t'avoir fait ensemble avec Joseph. Mais nous, tout mal de t'avoir fait Joseph. Joseph, vous avez tout changé en bien. Vous pensez que Joseph t'a pas le venger. C'est ça que Joseph vous avez pensé. Vous pensez que Joseph t'a pas le venger pour tout ça que vous avez fait. Mais nous, Joseph, il n'y a pas de venger, monsieur. Il dit, monsieur, ça qui vient là, c'est pas nous-mêmes qui voulons. Mais c'était volonté bon Dieu. C'est bon Dieu qui te voulait ça arriver. Eh bien, j'aime bon Dieu de vous arriver là. C'est qu'on s'est arrivé, nous n'avons pas besoin de peur. Et troisième expérience que nous avons dans le cadre de toute semaine, c'est que bon Dieu promet la baille avec nous toutes. Eh bien, la vie éternelle. Bon Dieu qui pour nous tirer toute l'eau dans nous, toute souffrance, toute calamité, tout ça dans la vie aujourd'hui. Eh bien, qui va faire nous bien, bon Dieu gagne pour les capables d'éliminer. Eh bien, en gros, c'était eh bien, ça nous avons pour nous tirer ensemble. Pendant tout trimestre là, nous avons une possibilité pour nous visionner le livre Genèse là et nous à travers le livre ça, il y a plus de bagages qui nous apprennent. Et surtout ce maintenant, nous devons apprendre à pardonner. Même Jean, Joseph, tu apprends à pardonner. Nous allons sur ce maintenant, te montrer nous un parallèle entre la vie de Jésus et la vie de Joseph. Joseph pardonné, mon qui a fait le mal. Joseph trahi par propre frère, Jésus également trahi par propre disciple. Et bien nous, Joseph pardonné, mon qui fait le mal. Jésus pardonné, mon qui fait le mal. Et bien nous, malgré il a fait Joseph, on sait des bagages mal, mais tout ça a fait qui mal là, il a changé en bien. C'était même bagage là tout pour Jésus-Christ. Plus je parle mal de Jésus-Christ, c'est plus qu'il y a popularité.